Yo, Marseillais, Marseillaise, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo, tranquillou, comme ça. Ouais, fallait que je réagisse à deux, trois trucs, tu as compris? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont fait la rentrée, pour ceux qui ont repris le travail, pour ceux qui se sont mis aux assédics, tu as compris? Les frères, alors dans cette vidéo, on va aborder trois sujets. Le premier sujet, c'est l'enculé de Genesio qui se permet de critiquer l'OM. Ouais, ils ont un cul comme ça, et nanani, et nanana. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars, mais il a parlé mal de l'OM. Il était avec Eric Roy. Alors, eux, ils ont un cul comme ça, c'est optimisé, 8 points. En gros, il nous a clashé, quoi. Tu as vu, en gros, on ne mérite pas nos 8 points. On va y revenir. Le tirage, deuxième sujet, on va parler un peu du tirage Ligue des Champions, parce que je vois des gens patin, couffin. On va même parler de celui de Paris. Ouah! J'ai envie de dire deux, trois trucs, frère! Ouais, bon, je vais pas les piquer, mais je vois des trucs, je suis obligé, je suis obligé. Pourtant, vous le savez, moi, je parle jamais de Paname, hein, jamais, hein. Et le troisième, c'est la fin de Mercato. Voilà un peu le tirage. Donc, notre ami Genesio, qui s'est fait dégager comme une vieille chaussette qui sentait le Saint-Nectaire, frère. Hein? Tu t'es fait dégager comme un chaussé aux moines, frère, de Lyon. Et là, tu es là, tu fais, pourquoi tu critiques? C'est quoi ces paroles venant d'un entraîneur? Ils ont du cul, pas du cul. Oh frérot, c'est pas de notre faute si ton club, hein, il t'a enculé en vendant Doku à 60 millions et que derrière, il a acheté pour 15 millions, n'est pas le venin, hein. Il pue la merde, ce mec, c'est un truc de fou. Oh franchement, je l'aimais bien, hein, je vous mens pas, les gars. Je l'aimais bien, dites-moi en commentaire. Moi, je l'aimais bien avant qu'il ouvre son gros cul. Hein? Alors, ferme un peu ton cul, Genesio. Occupe-toi de ton club. Frérot, tu as 60 ans et tu es là, tu critiques comme un petit de quartier. C'est quoi ce manque de diplomatie? Hein? Au gros fatigué, tu as fait trois matchs nuls, tu as le venin. Nos points, on les a mérités, je te le garantis. Alors, ok, oui, le fond de jeu, c'est pas tip-top. Maintenant, c'est le sujet. Les gars, c'est quoi ce Marcelinho? Je viens de voir que pas Dugarry. Ouais. Dzeko l'a terminé. Oh les gars, vous connaissez Dzeko. Quand il parle, c'est pas pour raconter de la merde ou faire le buzz comme l'autre clown, là, je sais plus comment il s'appelle. Tu vois, quand Dzeko, il parle, c'est pour finish, tu vois. Et la vérité, les gars, je vous le. Tu as vu ce qu'il a dit? Tu as vu ce qu'il a dit? Manque de personnalité, manque de présence, manque de caractère, manque de conviction, manque de poigne, de grinta, de tout. Je vous l'ai dit quand? Je vous l'ai dit, les gars, mi-août. Mi-août, je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Je sais pas. Je sais pas, on dirait petit. On dirait petit sur le bord du terrain, tu vois. Je l'ai capté de suite, tu vois. Je l'ai capté de suite. Et en plus, il a abordé un sujet que. Il a raison, gros. Il joue un 4-4-2 à plat. Frère, c'est Marius Trésor et Michel Platini qui jouent. Voilà, c'est vrai, les gars. 4-4-2 à plat. Voilà que tu vois ça qu'un D4, un D3. C'est trop basique, c'est trop platonique, c'est trop prévisible. Et il a complètement raison. Il a complètement raison. C'est le genre de jeu prévisible. Tu fermes les couloirs, c'est terminé. Il n'y a rien pour toi. Et il a raison. Marcelinho, les gars, dites-moi frérot, dis-moi en commentaire. Hein. Peut-être que j'aime Vante. Peut-être que j'aime Vante. C'est possible que j'aime Vante. Mais ça, non. Non! Non! Mais j'ai oublié! Non! Moi, c'est terminé. Ça y est, j'arrive plus, en fait. Je vous jure, j'arrive plus. Oh! J'ai rarement été aussi radical, aussi vite sur un coach. Rarement. Frérot,
contre Nantes. Hein? La conne de ton père. Ouais, non, désolé, désolé pour ton père. La conne de ton oncle. Ça passe mieux, là, des coups, tu as vu. Un changement. Il joue à 10. Les gars, on peut en vouloir aux joueurs. D'ailleurs, merci pour tous vos likes et tous vos commentaires, tous vos retours sur le débrief. Vous m'avez régalé, les gars. Vous m'avez régalé. Donc, merci, les frères, à tous qui posent le like. Je vous remercie du fond du cœur, les frangins. Ça donne de la force, ça fait plaisir, ça référencie, ça référence les vidéos. Et voilà, franchement, merci les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser un petit like sur celui-là. Non, et au passage, quand tu as posé ton petit like, dis-moi si tu es d'accord. Les gars, c'est pas un coach pour l'OM. Voilà. Tu vois, lui, ce serait un coach, peut-être, pour un club pas populaire comme le nôtre. Pas un club où... Écoute, frérot. On n'est pas mal. Moi, je l'ai vu. PSG, Lyon. C'était une belle valise. Hein. Putain. Samsonite. Qualitif. Désolé, les Lyonnais. Fallait que je la pose. C'était une Samsonite. Ah oui, frère. Bagage supplémentaire, s'il vous plaît. Non, ben là, non, je clash pas, les Lyonnais. Tranquille. Tranquille. Mais vous avez vu. Leur coach, 4-0. Il y a 4-0, frère. Donnarumma, il fait une merde. Il s'énerve, il pète. Moi, il m'a plu. Hein. Moi, je vous mens pas, les gars. Moi, les mecs comme ça, ça me plaît. Voilà. Ouais, je bande. Il m'a fait bander, carrément. Vous avez bien de la chance. Vous avez bien de la chance, les Parisiens. Frère, 4-0, l'exigence, frère. C'est pas parce qu'il y a 4-0 que tu fais n'importe quoi. Voilà. Terminé. Nous, il n'a pas fait ça. Nous, la connasse qu'on a, à 1-0, 11 contre 10, il n'a pas fait ça. Lui, il gagne 4-0. Il a pété un plomb. Moi, il m'a plu. Putain, franchement, je pense que... Ça sent bon pour le PSG avec un coach comme ça. C'était la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse. Après, je vais parler de votre tirage. Attends, j'arrête. Là, je t'ai complimenté. Dans 2 minutes, je te termine. Et ouais, non, franchement, c'est pas tip-top. Hein, voilà. Ouais, franchement, je le sens pas. Frérot, je le sens pas. Voilà. Je le sens pas. Je te le dis d'entrée, je le sens pas. Marcelinho... Je le sens pas, ça pue, ça sent pas bon. Et il y a une odeur. Qu'il y a une reha, tu vois. Ça sent les sales, frère. Faut un peu de déodorant, faut le nettoyer. Non, ça sent pas bon, je te le dis. Alors l'avenir nous dira si on se trompe ou pas. Hein. Mais moi, je pense qu'il va falloir être très, très, très réactif avec ce coach. Très, très réactif. Genre, bilan fin septembre. Fin septembre, merci, au revoir. N'oublions pas que c'est le Sahab. Je vous l'avais déjà dit, les gars. Regardez dans mes vidéos. Marcelino, vraiment? Troisième choix? Vraiment? Pas convaincu. J'avais sorti une vidéo. Parce que c'est le pote à Longoria, l'équipage. Vous savez que Longoria, quand il est arrivé en Espagne, il me semble que c'était à Valence, il dormait chez Marcelino. C'est pour te dire le degré d'amitié. Il dormait chez lui. C'est pas un pote, un collègue. C'est son pote. Un vrai pote. C'est une grosse amitié entre eux, tu vois. Donc voilà quoi. Tu as compris, frère. Dis-moi en commentaire, frère, si j'aime pas ou j'aime pas. La plupart des Marseillais, ça y est. C'est la gorge. C'est la gorge, frère. C'est la gorge, frère. Donc on verra. Mais Marcelinho, on t'a à l'œil, frère. Hein? Look at this, frère. Ouais, je parle anglais des fois. Ça peut m'arriver, éventuellement, techniquement parlant. Bon, on va parler un peu du tirage, les frérots. Hein? Sans transition. Écoute. C'est pas... Moi, j'entends dire des gens, le groupe de la mort,
Oui, avec Marcelinho, c'est le groupe de la mort. Hein. C'est le groupe de la mort, je te le dis. Mais on est l'Olympique de Marseille, papa. On va jouer 3 matchs à la maison. Hein. On a un effectif quand même de qualité. On a un coach en polystyrène. C'est vrai. Mais les gars, pour moi, c'est faisable. Athènes, l'Ajax, ok, c'est compliqué, l'Ajax. Mais tu prends... Tu accroches un peu l'Ajax. On peut passer. On peut passer seulement si l'autre plouc arrête avec son dispositif vintage et sa manière de coacher vintage. Mais pour moi, les gars, ouais. Non, c'est pas le groupe de la mort, les gars. Si tu commences à tomber sur des groupes comme ça, ok, c'est vrai, c'est l'Europa League, ça, c'est vrai, c'est moins relevé. Mais non, dis-moi en commentaire, toi, on passe ou on passe pas? Je vais peut-être faire un petit sondage sur la chaîne. Ouais, je vais peut-être faire un petit sondage. Le tirage de Paris, ouais, c'est le petit bonus. Ça va, ne quitte pas la vidéo, frère, tu vas rigoler, gros. Ne quitte pas la vidéo. Ne quitte pas. Quitte pas, frère. Ouais, le tirage de Paris, les frérots. Putain, c'est culotté quand même. Ne le prenez pas mal, les parigots, ça va, calme-toi, petit Kachir. Hein? Bachir Kachir, on redescend. Non, mais c'est pour te dire un peu. Frérot, ils osent dire on est les favoris du groupe. Mais c'est quoi cette grosse tête-là? D'où tu es le favori du groupe, frère? Mais en quel honneur! En quel honneur! Frérot, je suis désolé, Dortmund. Moi, je suis désolé, frérot, mais ça écrase le PSG. Ça les piétine. Hein? Frère, c'est pas Lyon, Dortmund. Hein? Hein? Ok, c'est vrai, Zaïre Emery, il est bon. Il n'y a pas de problème. Vitinha est bon. C'est vrai. Comment il s'appelle? Ugart est bon. Mais ça parle pas avec un Brandt, un Reus ou un Adeyemi. D'ailleurs, au passage, les Lyonnais, hein, frère, Tolisso, Kakere, je sais pas quoi, vous vous êtes fait écraser par 3 petits de 20, même pas 20 piges. Ça qui m'a choqué aussi chez Lyon. Hein. Ouais, je passe du coq à l'âne. Ça qui m'a choqué, les 3 petits du PSG, Ugarte, Truc, Vitinha et Zaïre Emery, on dirait c'était Tolisso, Kakere et l'autre milieu. On dirait c'était eux les petits. Par contre, ça les gars, ils vont pas le faire avec Dortmund. Ok, il n'y a plus Bellingham. Mais tu ne le fais pas ça. Avec Adeyemi, Brandt, Reus, il y a un autre milieu. Putain, comment il s'appelle? C'est pas Daoud. Tu ne le fais pas. Ça, tu ne le fais pas. Les gars, il faut savoir une chose. C'est que Dortmund a failli prendre le championnat allemand. Ça s'est joué à la dernière journée. Voilà. Donc, redescendez un peu, les gars. Les parigots, on dégonfle. On dégonfle, tranquille. La famille, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas le petit like. Fais-moi plaisir. Je vous embrasse. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, des suggestions dans la vidéo ou quoi. Voilà, frère, tu me fais plaisir, tu me poses, je réponds un peu à tout le monde. Bon, il y a un peu de cafard de temps en temps, je calcule même plus, je te mens pas. Frérot, ça y est, j'ai passé un cap. Ouais, level up, je réponds plus aux cafards. Prenez soin de vous, les gars. Allez l'OM. Et pour une dernière chose, si vous voulez que j'aborde un sujet qui peut vous plaire, voilà, tu me dis Kader, fais une vidéo pour parler de ci ou de ça, les gars, faut que ça gravite autour de l'OM, hein. Tu as compris, faut que ça gravite autour de l'OM, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans l'espace commentaire, ça me ferait tarpin plaisir. Moi, je ne suis pas un mec qui fait une vidéo toutes les 24 heures sur l'OM, ça ne sert à rien, frère, faut pas forcer, tu vois. Faut pas abuser, faut pas gratter comme ça des vues, tranquille, temporise. Prenez soin de vous les gars, je vous embrasse, je vous dis allez l'OM, peut-être tout à l'heure un petit live pour se détendre la moulinette, et voilà, je sais pas si je vais le faire sur Café Clope,
sur 4 de mars ou sur Twitch. Ma chaîne Twitch, c'est 4 de mars TV, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Bise la famille. Ciao.